Comment que c'est avec toi, ça gaz ou quoi? Nickel chrome, nickel crâne, y'a plus qu'à mettre dans la camionnette, y'a plus qu'à mettre dans la camionnette. Ah, terrible, je t'explique, j'ai mis un certain temps avant de revenir te voir parce que bon, chacun sa vie, t'es pas là pour me plaindre, mais enfin, surtout, j'ai pris une décision essentielle durant cette période propice à la réflexion où j'étais à moitié en retraite. Je vais me présenter à l'élection présidentielle. Ouais, monsieur, je vais aller sonner à la porte des maires pour avoir sa signature. Tout ça parce que j'ai vu les margoulins qui sont en train de se présenter, il y en a un que j'aime bien. Et je trouve que ces idées ne vont pas assez loin. Moi, par exemple, j'ai peur du grand remplacement. Je t'explique, dans les crêperies du coin, il y a des mecs qui commencent à appeler les crêpes galettes. Tout ça, ça sent quand même l'invasion de Guingampais qui chercherait peut-être à venir nous... Hein? Donc moi, je vais militer quand même pour que les galettes arrêtent de s'appeler des galettes parce que c'est de la merde et que ça s'appelle crêpes blé noir ou crêpes sucrées. Quoi. Donc déjà ça, c'était un indice sur le grand remplacement et puis d'autant plus que ces mecs-là n'ont pas des prénoms tout à fait bressois. Par exemple, il y en a un, il s'appelle Eric. Mais personne ne s'appelle Eric. J'interdirais ce prénom. Le mec s'appelle Eric ou rien du tout. Ou Clotte, ou Tinif, Gronif, Nif quoi. Nom de Dieu, régularité des prénoms, Solange, CH. Enfin merde quoi à la fin. Anne, Nanou, Mustapha, Mos. Voilà, des prénoms bressois, que des prénoms bressois dans le calendrier. Et pour le reste, bon, j'ai aussi un programme à développer au niveau des gonzesses qui font que chier quand même. Je te parle de la bourgeoise notamment, mais là, bon, il y a des réticences à la maison. Mon programme a été accueilli fraîchement à domicile, je tiens à te le dire. À part ça, je suis presque à l'Élysée.